Pour élaborer cette première phase de la feuille de route de l'économie circulaire, des experts, des ONG, des professionnels, des collectivités locales et les citoyens ont travaillé plusieurs semaines durant sur quatre grandes thématiques. Des ateliers ont été organisés sur les thèmes territoire et déchets, les plastiques, la consommation et la production durable, ainsi que sur la fiscalité. Nous avons démarré le 24 octobre avec le premier comité de pilotage. Nous avons tenu plusieurs ateliers, 4, 5, 6, 7 parfois pour certains groupes. Et ces ateliers en fait ont permis de passer de positions qui étaient des positions individuelles de chacun des acteurs à des positions collectives. En fait, nous sommes passés, je vais dire, de l'intérêt particulier à l'intérêt général. Il résulte de ces ateliers une centaine de contributions écrites qui se sont nourries des 1784 contributions citoyennes, de quoi prendre en compte l'ensemble des problématiques et solutions liées à l'économie circulaire. La consultation publique a fait ressortir un intérêt pour les systèmes de consignes qu'il va falloir encore définir et affiner. Il y a évidemment la question de la mise sur le marché de certains matériaux qui sont difficiles ou impossibles à recycler. Est-ce qu'il faut continuer à faire ça ou est-ce qu'il faut regarder en amont ce qu'on met sur le marché également? Et puis il y a surtout cette question du modèle économique. Qu'elles soient citoyennes ou émanant des professionnels du secteur, certaines propositions ont parfois été vivement débattues. Quoi qu'il en soit, tous les acteurs présents s'accordent à dire que ces débats ont été constructifs et décisifs pour la réussite de la feuille de route de l'économie circulaire. Je suis satisfait parce qu'on n'a pas fait de la vieille politique déchets, mais qu'on a une vision plus globale qui est celle de l'économie circulaire. Il y a un gros consensus autour du fait que l'économie circulaire est une direction à prendre, donc ça c'est la bonne nouvelle. Je crois que maintenant l'important ça va être de cerner les grands équilibres de tout ceci et de dégager quand même des lignes de force suffisamment lisibles pour entraîner nos concitoyens, entraîner les parties prenantes.